c'est la deuxième année que Seyfrel me suit, donc c'est vrai que sans sponsor, on peut pas être au départ d'une telle course. Donc voilà, je les remercie. Je remercie Didier, notre belle rencontre, tous les collaborateurs qui sont derrière, derrière le projet. Et ouais, c'est vraiment une belle histoire. Damien fait partie des gens qui ont des vraies qualités humaines, hein, de travail, de respect, d'humilité, d'esprit d'équipe. Il a un vrai talent sur l'eau. Bon, moi, j'observe qu'avec quelques moyens modestes, il prouve qu'il peut faire de grandes choses. La Solitaire Hugo Le Figaro nous a fait vibrer pendant quasiment tout le mois de juin. Le bilan de cette Solitaire Hugo Le Figaro, il est plus que positif parce que je fais 28 l'année dernière, 10e cette année, c'est une super progression. On a eu des conditions très compliquées, très variées, le niveau était plus élevé que l'année dernière. Il a vraiment fallu se battre tous les instants. J'ai eu des hauts, des bas, hein. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, j'ai croqué chaque instant, je savais que ça allait passer très vite, donc je m'étais dit qu'il fallait vraiment profiter de chaque instant. Le résultat, on est juste impressionné, émerveillé, époustouflé. Tout le monde a été estomaqué déjà de voir les résultats sur chaque étape. Et le résultat au classement général, il est juste extraordinaire. Les collaborateurs viennent sur les départs de course, sur les arrivées, ils sont venus naviguer. C'est chouette, puis quand il y a des coups de mou, on se dit allez, il y a du monde derrière, et puis on croche quoi, et puis on continue. Je suis très attaché aux valeurs humaines, très attaché aussi à la compétition malgré tout. Je pense que Damien, il est là où il est, c'est pas le fruit du hasard. Donc, on a des moyens financiers qui sont extrêmement modestes. Par contre, on a une vraie force derrière Damien, et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense que Damien est là. Et ce que je souhaite pour lui comme pour nous, c'est qu'on arrive à continuer l'aventure. J'ai envie de continuer les années à venir parce que la Solitaire de Figaro, j'ai vraiment envie d'en faire plusieurs. C'est devenu une vraie drogue, c'est un truc exceptionnel. En plus, il y a l'arrivée du nouveau dans 2 ans, donc il y a un beau challenge qui arrive. Donc j'ai vraiment envie qu'on continue l'aventure ensemble.